Aujourd'hui, le procès de 46 prévenus, tous sont soupçonnés de s'être opposés violemment au chantier du TGV qui doit relier Lyon à Turin. Parmi eux, deux anciens membres de la lutte armée. 350 policiers ont déjà été blessés au cours de ces affrontements. Et c'est Renaud Bernard qui suit pour nous cette affaire. Bonsoir Renaud. Clairement, ce chantier du TGV alimente plus que le débat, il alimente également, on va le voir, la controverse. Il est en permanence sous protection policière. Bonsoir Laurent. Depuis l'ouverture du chantier sur la partie italienne du tracé TGV, il y a eu plus d'une trentaine de batailles rangées à Chiemont et dans le Val de Suse. Les opposants au TGV se rassemblent derrière la barrière, la bannière écologiste. Ils ne veulent pas de ce tracé, ils veulent que la vallée reste en l'état. Mais quand on creuse derrière, on découvre des revendications plus radicales, des individus plus violents, plus dangereux. La justice italienne le confirme. C'est ce que nous avons découvert avec Giona Messina et Arnaud Jacques. Dès la sortie de l'autoroute, un checkpoint tenu par des militaires. C'est une entrée mieux gardée qu'une frontière. Celle du chantier du Lyon-Turin. Le projet pharaonique du futur TGV transalpin. Un tunnel sous les montagnes qui fera 57 km de long. Sauf qu'ici, les ouvriers travaillent sous protection. Parce que dehors, des opposants donnent l'assaut en permanence. Toutes les semaines depuis le début des travaux, fusées, lance-pierres, bombes remplies d'acide, ils ne reculent devant rien. On les appelle les notaves, anti-TGV en italien. Et ils ont leur campement dans les bois aux abords du chantier. Quand on leur demande d'où vient cette rage, la réponse est toujours la même. Ils détruisent notre futur et en plus ils creusent la dette publique avec ce projet sans se préoccuper de l'environnement. Ils connaissent tous les sentiers pour s'approcher. Leur obsession, harceler le chantier sans interruption. C'est un bout de territoire occupé qui doit être libéré le plus vite possible. Des mots très forts, des actes violents qui fédèrent sur le campement écologistes, indignés, comme anarchistes les plus radicaux, tous réunis par un combat qu'ils estiment légitime. Qu'est-ce que ça veut dire que la grande vitesse? Qu'est-ce que ça veut dire que le transport pour les riches et pas pour les pauvres? Qu'est-ce que ça veut dire que les biens communs? Et la défense du bien commun contre des intérêts privés. Une idéologie qui a sa dérive. Le procureur Piacenta la suit de près. À Gênes, il est chargé de l'enquête sur l'agression d'un patron, celui d'une entreprise du nucléaire en mai dernier, Roberto Adinolfi, que l'on voit sur ces images, touché de deux balles dans les jambes, la signature de la lutte armée d'extrême gauche, comme pendant les années de plomb. Des anti-TGV aux terroristes, pour le procureur, la frontière est fragile. C'est un élément inspirateur. Il y a un élément qui les inspire tous, c'est la cause écologiste. On le retrouve chez les anti-TGV, comme dans certaines autres revendications très récentes. Ceux qui ont signé l'attaque du patron au mois de mai ont donc les mêmes revendications que les anti-TGV. Et pour accréditer un peu plus ce lien, parmi ces manifestants, il y a eu en un an 46 interpellations, dont deux anciens membres de la lutte armée d'extrême gauche, qui avait déjà ensanglanté l'Italie dans les années 70.